Donc je suis Cathy Marois. Je suis artiste plasticienne. Et mon nom d'artiste, c'est Waldou. Alors c'est un pseudo que j'ai choisi. C'est aussi le nom de famille du côté de la branche maternelle. J'avais des arrière-grands-parents acrobates dans un cirque. Et j'ai trouvé ça super joli graphiquement déjà pour l'écrire, au niveau de la sonorité. Et puis voilà, c'est ma famille artistique. Depuis l'enfance, j'ai toujours adoré les musées, les expositions. Ma mère peignait aussi, il faut dire. Donc des tableaux beaucoup plus classiques, mais je pense que j'ai été aussi sensibilisée. Dans ma famille, il y avait des artistes également. Et puis j'ai toujours baigné dans ce milieu. Je suis, moi, personnellement, carrément autodidacte, par choix. Puisque j'ai fait d'autres études complémentaires, mais qui n'ont rien à voir. Je suis géographe, je fais de l'ethnologie et de l'histoire de l'art quand même, qui peut. La position de la femme dans le milieu artistique, j'aimerais en fait que la question n'existe pas. Et je pense que tant qu'on se la posera, on sera un petit peu à part. Et je crois qu'on a quelque chose de différent, bien sûr, des hommes, mais c'est ce qui fait la richesse et la complémentarité de l'humanité et la place il faut que la femme apprenne en fait. J'adore Nikita Saint-Phal en tant qu'artiste femme pour sa créativité, sa sensibilité et surtout l'époque aussi qu'elle représente. Au-delà de ses nanas très connues, ses jardins démesurés, son jardin des tarots en Toscane et puis plein d'autres choses. Elle a vraiment été une artiste engagée pour moi. Je suis en admiration devant son travail, en admiration parce que c'est une femme qui a aussi eu pas mal de douleurs, qui a traversé des choses très difficiles. Et c'est l'art qui lui a permis de s'exprimer et de vivre pleinement sa vie. Donc c'est un exemple aussi pour moi. Il n'y en a pas tant que ça, des femmes artistes internationalement connues, très connues. J'aime aussi Frida Kahlo, bien sûr Camille Claudel, et puis une artiste peut-être un peu moins connue, mais j'aime son côté ultra obsessionnel, l'artiste japonaise Kusama. Et puis dans les françaises, Annette Messager aussi. Voilà.